Je m'appelle Brian Chaube, j'ai 21 ans, je suis photographe et je vous emmène explorer la ville de Genève. Alors là, on est aux Avanchais, c'est là que tout a commencé. C'est ici que j'ai grandi, c'est dans ce bâtiment. Je trouve ce quartier juste incroyable parce que tu as des lignes et des lignes. T'as la végétation aussi, donc ça te permet de faire des belles compositions. Et c'est là que vraiment que j'ai appris la photo, quoi. C'est vraiment ici, quoi. La première session, c'était beaucoup d'échecs au début. Et petit à petit, t'apprends à comment manier ton appareil photo, t'apprends à comment regarder bien les choses, à bien composer la photo. Et petit à petit, tu commences à avoir des trucs qui rendent assez bien, quoi. Une photo peut prendre 3-4 jours, quoi, parce que c'est pas la bonne météo, il y a plein d'obstacles, tu peux avoir une voiture qui te gâche la route que tu voulais. C'est plein de choses, plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Mon style de photo, je dirais, c'est plutôt urbain. Après, rien ne m'empêche de rajouter aussi du paysage, de la végétation. Je trouve que ça compose bien une photo. Je me suis créé un compte en fait Instagram pour exposer un peu mon travail. Le but de mon compte quand j'ai commencé, c'était je voulais montrer aux personnes qui vivaient à Genève que la photographie urbaine pouvait aussi exister dans cette ville. Et petit à petit, je voyais que ça prenait de l'ampleur. Donc j'ai continué, je me suis fait reposter par des pages qui m'ont permis de me donner encore un peu plus de visibilité. Du coup, c'est vrai que là, je commence à avoir une communauté qui commence à se créer. C'est cool de voir que mon travail plaît et qu'il est reconnu, quoi. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir si je me considère comme un Instagrammeur ou comme un photographe. Je dirais clairement photographe, parce que si Instagram n'est plus là, si mon compte se fait bannir, si mon compte se fait supprimer, je vais continuer la photo. C'est pas parce que j'ai plus ce compte que je vais arrêter ma passion, en aucun cas. C'est pour ça que, dans mon optique, je suis photographe et pas Instagrammeur. Je trouve mon inspiration un peu dans tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire quand je me promène et que j'ai pas forcément mon appareil photo avec moi, je prends en note le lieu, je prends en note le moment de la journée où je l'ai vu. Et si c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, bah, je vais y retourner avec mon appareil photo. Je dis, c'est un peu comme un sport, tu l'entraînes, quoi. Je vois pas forcément les mêmes choses maintenant que ce que je voyais il y a 4 ans, par exemple. C'est quelque chose que t'entraînes, que tu travailles. C'est-à-dire que tous les jours, je fais un petit peu de photos. Ça peut facilement me prendre toute une journée. Je pars très tôt le matin et puis je rentre très tard le soir. Donc c'est très varié, c'est du travail, mais c'est ce que j'aime. Alors non, je n'en vis pas. La photo, ça reste une passion. Je veux que ça en reste. Je veux continuer à être libre, en fait. Je me suis tout simplement dit que si je veux absolument que ça devienne mon métier, je vais devoir accepter des contrats, ouais, des contraintes vont se poser, en fait, sur mon chemin. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me dire j'accepte tel ou tel contrat parce que j'ai besoin d'argent. Mais justement, j'ai envie de rester libre, en fait, et continuer cet art seulement en passion, quoi. Dans les 10 prochaines années, mon objectif, ce serait de faire une exposition de mes plus beaux clichés. Je pense que c'est important toujours de rester aux sources, c'est-à-dire le papier. Pas seulement voir nos photos sur écran, mais parfois aussi de les voir en vrai, tout simplement. Mon objectif, ce serait ça, mais d'ici là, j'ai encore du travail. Shout out Tataki! Yeah, yeah. Oh, wait.